tuer plus pour récolter plus. Et oui, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo va consister à vous présenter le nouveau perso de DAK. Que j'attends depuis un petit moment maintenant. Par contre, je l'ai déjà testé, hein. Je fais cette vidéo pour vous, pour moi, bah, pour m'amuser aussi avec, bien sûr. Donc, pour information, c'était un guerrier, guerrier au corps à corps. Alors, hop. Donc, DAK est un guerrier au corps à corps. J'ai acheté le nouveau pack. Enfin, j'ai acheté le pack qu'ils ont sorti à son honneur, donc avec un skin. Et alors, c'est un perso qui ne peut pas utiliser de monture, comme vous pouvez le remarquer. En partie, je vais faire une partie pour bien sûr vous expliquer les mécaniques à faire, tout ça, comment le jouer. Ensuite, donc c'est un perso, comme je vous l'ai dit, qui n'utilise pas de monture, car à la place, alors je vous explique, en fait, donc on va dans boutique pour vous montrer un peu ses pouvoirs, tout ça. Et par la suite, on va le tester en partie. Alors, hop, talent. Tant d'essence à récolter. Je vois pas ici. Non, il montre pas ici. Ah si, non, c'est pas ça. Non, je pense pas qu'il montre. Donc on le fera en game s'il montre pas. Non, il montre pas. Bah, je vais vous le résumer, puis on va le faire en game. Tout simplement, en gros, à la place de pouvoir utiliser une monture, en fait, c'est un certain temps, c'est tous les 30 secondes. Il peut se téléporter n'importe où sur un buisson de la map en fait. Donc de n'importe où vous êtes, vous choisissez un buisson et hop, vous apparaissez dedans en quelques secondes. Donc c'est aussi quelque chose qui peut apporter une fuite face à l'adversaire ou quelque chose qui peut aider à traquer un chasseur. Voilà, je vous montre tout ça en partie. Par contre, je crois pas que j'ai activé la musique. Option son. Voilà. Comme ceci. Par contre, je crois que j'ai validé, je sais pas. Ah ouais, j'ai pas validé donc. Accepté. Bon bah c'est parti les gars. Le changement, c'est maintenant. Bon bah je fais une petite coupure le temps que ça recherche une partie, parce que des fois c'est long, donc je fais une petite coupure. Bon, la partie est prête, c'est parti. En avant. Donc ben, est-ce que je peux vous en dire aussi? Donc, de toute façon, je vais tout vous montrer en partie là, juste avant de vraiment commencer la partie. Tu es parti. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir. Mais bon, faut monter quand même Zagara niveau 10, Abattur niveau 10, donc c'est un peu chaud quoi. Surtout que c'est un perso que je joue pas souvent et Abattur, je ne l'ai même pas. En face, oh là, en face, il y a un Cho'Gall. C'est casse-couille ça. Après, bon, faut se dire qu'ils sont 4. Donc les objectifs c'est plus compliqué pour eux quoi. Ce qu'ils peuvent moins se diviser pour régner. Bon, il y a un groupe bon, bref, en gros, il y a un groupe de deux dans notre équipe. Héros, préparez-vous à combattre. Alors, on va prendre ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pas de monture comme je vous l'avais dit. J'ai ceci qui peut s'activer dès que la partie commence. Donc voilà, temps de recharge 40 secondes, sans fruit pour réapparaître dissimulé dans un buisson de champ de bataille. Ensuite, sa traction, enfin c'est comme un grab, il tire sa langue. Et en fait, je peux traîner l'adversaire pendant 1,75 secondes et il ne peut rien faire pendant que je suis en train de le tracter quoi. Ensuite, ceci, c'était ça noir, donc comme vous pouvez voir, il y a une petite zone. Un cercle autour, donc en fait ça fait un genre de dessin d'abeille comme ça qui fait des dégâts tout autour de moi et qui permet de me faufiler à travers le combat. Ensuite, ceci, donc pendant 2 secondes en fait je deviens invincible tout simplement. Voilà, donc il n'y a rien de compliqué, faut juste savoir gérer les mécaniques, arriver au bon moment pour pouvoir aider les adversaires. Surtout par exemple, admettons, il y en a un qui est en train de se barrer, l'ennemi là. Hop, j'arrive dans le buisson, j'arrive par derrière, clac, je le prends et je l'attire vers mes alliés et qu'il tue quoi. Pardon. C'est surtout ça qu'il faut faire avec DAK. Comme vous pouvez le voir, hop, je l'ai tracté, tac, 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 vous avez on le fait des dégâts. Hop,
Hop, il m'attaque. Hop, je vais sous le sol. Les petites mécaniques à savoir, c'est pas très très compliqué à jouer. Il y a rien de ouf. Donc voilà, c'était une petite mécanique. Alors pour le passif, donc en fait en tuant des sbires et des champions, je gagne de l'essence. Plus j'ai d'essence, plus j'aurai un soin puissant. Et pour activer soin, il suffit de m'appuyer sur D. Et voilà, là vu que j'ai déjà pratiquement toute ma vie, ça a pas fait changer grand chose. Ah, je me suis fait un peu de feuille là. Voilà. On a déjà un Nova qui est morte. Franchement, faut être mauvais pour faire tuer Nova parce que elle a un camouflage et tout et faut pas se battre au corps à corps quand on joue Nova. Bref, là on prend pas Nova, on parle d'AK. Donc voilà, je tue des sbires, je récolte de l'essence. Donc là il y a un objectif, on va le récupérer. Donc grâce à mon truc, vous voyez, regarde, je m'enfuis. Hop, je vais réapparaître ici. Clac. Hop, donc tu viens là. Voilà. C'est vraiment pratique, hein. J'aime bien ce système de pouvoir se téléporter dans un buisson. Pour les objectifs, tout ça, c'est pas dégueu. On lit fait un peu trop sur route là. Voilà, bon bref, on en a tué un, c'était déjà ça. Là on récupère l'objectif. Alors forêt. Bon, par contre le passif régène des points de vie mais pas du mana, ça faudrait le savoir. Ah mais il attaque quand je suis pas là aussi. Bref, on va aller peut-être les aider. Hop. Ah mais venez m'aider aussi, ils sont marrants. On va aller à la fontaine pour régénérer notre mana. Bon. Ensuite. Ah ouais, c'est chaud là. Non, faut pas qu'il prenne, Oui. Ok, j'y go. Oui. Je vais les aider. Voilà, vous voyez vraiment le grab il est super utile parce que je peux empêcher les champions d'avancer et de faire quoi que ce soit. Donc en fait c'est comme un genre de stop. Hein. Donc là on a notre coéquipier qui a récupéré le dragon, on va aller les rejoindre. Hop, bon, je suis juste à côté pour utiliser ma téléportation. On peut peut-être niquer leur fontaine, peut-être pas mal. Il y a Shogal qui arrive, on va essayer de le stopper. Hop, bon bah c'est raté. Il n'y a pas une grande portée, mais après, c'est sûr que s'il y a une grande portée, ce sera un petit peu OP quand même. Hop, on utilise notre passif. Regardez, tous les sens qu'on a récoltés permettent de nous redonner un gros soin. Bon, on va prendre pour le mana à la fontaine. On fonce dans le tas. Hein. On a augmenté la durée de traction qui sera à 2,25 maintenant. Grâce à un petit passif. Oh là là, ils sont trop là. Hop, toi tu viens là. On peut faire un truc OP, c'est ça. Regardez. Bon, tant pis. C'était bien, on va dire, c'était assez bien tenté, mais bon. J'aurais peut-être dû aller plus loin. Ouais, je pense que vous commencez à comprendre la mécanique de ce perso. Traquer les champions, c'est ce qu'il faut faire. Récolter de l'essence pour pouvoir se battre facilement. Parce que bon, là, on va dire qu'il a pas d'essor ouf pour le combat, mais grâce à son soin, il peut quand même se débrouiller, quoi. Il est pas mauvais. Hein. Et il y a le Shogal qui a le plus de vie.
Mais bon, bien sûr, voilà. Après, bon là, dans 18 secondes, il y a les objectifs. Hop, tu viens là, toi. Oui, je l'ai eu. Nous l'avons eu. Activez les sanctuaires. Ok, les sanctuaires. Utilisez la puissance du chevalier dragon. Le petit soin fait plaisir. Encore cette épée. Et hop là. T'es mort toi. Alors, le pouvoir héroïque, donc il y en a un, c'est un, en fait, c'est un, aussi un genre de gros stun qui réduit la vision et le, qui met au silence un champion, enfin un héros. Hein. Et là, ben ça, c'est un truc qui rend des points de vue, mais j'aime pas trop, je préfère ce truc-là. Hop. Le petit ulti qui fait du bien. On va, ça va pas toucher. L'esquive, je crois. Voilà. Le petit soir fait plaisir. On va faire attention. Ça. Non, on va peut-être se barrer là quand même. On va lui sauver la vie. Ah putain, il m'a eu. Bon. Bon, après, ça va, on n'est pas mort une seule fois depuis le début. On a bien géré quoi. On a les meilleurs dégâts de héros quand même. Et bon, ça, de toute façon, comment tu peux le faire? Bon, ça va, on est pas mauvais. Par contre, là, Nova, un peu dégueu, hein, en dégâts. C'est Nova, après, tu vas me dire, mais bon, ça n'empêche pas de faire des dégâts, je crois. Ah, là, on est mauvais. Hein. Ah, quoi qu'on a un niveau de plus, enfin, faire quelque chose. Hein. Bon, je vais venir, là, hop. La puissance s'accumule dans les sanctuaires. Libérez le pouvoir du dragon. Maintenant, faut les niquer, eux. Ah, les enfoirés. Bien joué, c'était joli ça. Le dragon vous attend, héros. Libérez-le et détruisez votre ennemi. Ok, on go. Ouais, j'ai quelqu'un, je vais peut-être venir l'aider parce qu'il va se faire niquer sinon. C'est tellement totalement fail. Oh, wow, je fais là-bas. On a le dragon? Ouais, magnifique. Non, la régène de AK elle est pas dégueu du tout. Hein. Franchement. Bon, après, sur ça, tu vas me dire, ce serait beaucoup moins fort. Là. Non, on va peut-être aller l'aider, on va se mettre là. Oh enculé, mais là au moment où je mets mon ulti, il met son repousse là, du coup ça va ulti ce n'est pas. Je ne sais pas mis. En accusant ces mercenaires, mon esclavage.
Allez go, on les rejoint. Hop, on l'a touché, c'est bon. Ouah, fait mal son... Ah, j'ai failli l'avoir, mon grab, je suis au trop tard en fait. Un petit peu. Les sanctuaires sont en train de collecter de la puissance. Entendez l'appel du chevalier dragon à travers la pierre. Bon, on va peut-être back là parce que. Le malin, je sais pas où ça. Le repos du dragon va prendre fin. Libérez sa puissance. Putain. Ok, on trace à celui-là. Allez, elle est capturée là, moi je protège celui-là. Et voilà, un petit truc pété. Non ! Non, au dernier moment, je sais pas si vous avez vu, c'est un truc de fou quoi. Non, oh, je suis dégoûté. Non, les gars, vous auriez dû... Ah, je pense que vous avez vu, c'était chaud. Non, mais sur la barre, mettons, on va prendre l'exemple, la barre là. Il restait ça pour que j'ai le dragon. Putain, à ce moment-là, il me touche, quoi. Donc, à rien, quoi. C'est un dégoût un petit peu, là. Décevant. Surtout qu'on peut prendre le dragon. Oh, la team entière, c'est sérieux, ça? Je les empêche de le prendre. Oui, ils l'ont pas pris. Fight. Ah non, peut-être pas, non. Wouah. On les a empêchés. Oh non, ils l'ont quand même. Oh, dommage. Waouh. Ah mais là ils sont... Là, la team elle est pas ouf hein. Faut qu'on rattrape le level là. Ouais c'est bon. Allez, vous reprendre un level aussi. Oh mais c'est... ça va, il sait pas jouer le dragon parce qu'il fait tout le temps le level. Ça.
Putain, chier quoi. Ah, c'est chiant là. Ça fera jouer attends, faut jouer dans le score. Faut Basmodal en même temps, c'est un spécialiste. Non, mais la Nova elle est. Dégâts de roue, mais bon, le dégât piège elle est ridicule. Faut être faire des... faut être bon des deux. Regarde, ça va, je suis 53. Non, c'est juste que là, notre mécanique d'équipe elle est pas bonne. Le contrôle de la puissance du chevalier dragon. Ouais, ils ont deux levels, je pourrais pas me le faire. Oh putain. Oh bah, bah je sais plus qu'à courir. Oh putain. Débarrassez-vous de ce héros. Libérez le chevalier dragon et massacrez vos ennemis. Oh, on est mort, on a l'a perdu, je pense, c'est bon. Bah, c'était rang, moi je pense que j'ai tagué un peu, mais c'était rang pour présenter le perso, quoi. Ouais, mais là, je peux rien faire. Vous avez perdu la forme, écran. Ouais, je peux pas faire grand chose tout seul, c'est sûr. Mais ça sert à quoi les déchets, putain? Là franchement, à part en fait être suicidé, ça veut rien faire. Faut défendre là. Ouais bah oui bien sûr. Il meurt quand même façon. C'est quoi ce truc? Le break. C'était assez divertissant. Je m'attendais à mieux. Voilà, à quoi sert, d'accord. Je m'attendais à mieux. Oh, on peut rattraper, hein. Parce que là, ils sont pratiquement tous morts. Faut des push. Hop. Je vais me faire le camp. Ça va vachement aider. Ouais, ils vont revenir, mais là au moins on a gagné largement du temps. Allez, pour des push, faut rattraper le level. Le problème c'est qu'on va bientôt prendre un niveau et on sera encore désavantagé une fois. Allez, go. De collecter de la puissance. On avance, on avance. Entendez l'appel du chevalier dragon à travers la pierre. J'y vais.
dragon vous attend, héros. Libérez-le et détruisez votre ennemi. Je suis dépassé. Ah mais venez m'aider là. Nul à Yesh. Il reste plus qu'à me TP là pour les empêcher de prendre le dragon parce que là ils vont le prendre. Prends-toi, c'est un ordre. Ah ouais mais bon là on va rien pouvoir faire là. Ah ils m'ont eu, bon. Au moins on les a aidés quoi, parce que là on rattrape, ouais, on va les avoir là. Allez prends-le. Oui. Fonce. On l'a pas servi à rien, ça va. Oh on est pas dégueu en dégâts de siège, ça va, et dégâts de héros, on est pas mauvais non plus. On est toujours un level, ça fait chier. Bon, ça va, là, on va faire moins que ça et on le rattrape. Bastion détruit. Faut qu'il y en a un qui défend là. Eh, mais il fait quoi? Putain, ils sont. Ils vraiment. Ils sont nuls, mais. Vous ayez perdu un bastion. Mais vas-y, tu dors. Il dort à ce moment-là, c'est pas possible quoi. Le mec, il fait gauche-droite. Ah là là. Faut le dire, il finit. Ah, t'as plus vite. Oh là là. Oh, what? Bon bah voilà. Je m'attendais pas du tout en fait. Wouah, qu'est-ce que t'as les retournements de situation de cette game quoi. Oh. Pas mal du tout. Pas mal. Bon bah je passais combien? 5 je crois avec. Ouais, c'est ça. Prendre modèle, je crois que je suis pas encore dedans. Ouais. Vous l'avez déjà... bon, je pense que vous l'avez déjà vu tout à l'heure, mais il ressemble à ça, quoi. Son skin, c'est le vrai perso, quoi. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis bien amusé. J'espère que vous avez un peu compris si ça vous a permis de comprendre les mécaniques de ce personnage. Moi, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ben, bonne journée à se dépend de ce que vous faites. Et salut les gars.